commandement de Dieu, je serai enceinte et je vais vous donner. Bienvenue encore si je suis une fois de plus. Merci de vous arrêter là, merci de liker et de partager cette vidéo au maximum. Ah oui, je suis News est de retour. AKA Miss Congo International est de retour avec un nouveau Congo pour vous. Restez juste là. Si c'est votre première fois ici, n'hésitez pas à vous abonner et d'appuyer sur la cloche de notification pour beaucoup de news comme ça. Ah oui, vous êtes la bienvenue dans la grande famille du Congo. Ça, déposez vos valises, vos bagages, vos Ghana must go. Et vous êtes la bienvenue dans la grande famille du Congo. Ça, oui, ici, nous sommes spécialisés en Congo. Ça, nous voyons, nous parlons surtout sur les médias. Les médias, tu ne peux pas plaire à tout le monde, comme je dis toujours. Et cette fille, c'est la fille qui a eu les PB dernièrement avec Destiny et Tico. Je pense on a fait plusieurs vidéos concernant leur sujet ici. Elle est Destiny et Tico, c'est comme la souris et le chat, comme on dit souvent là. Mais aujourd'hui, elle a la une des médias. Pourquoi? Parce qu'on nous dit que la belle famille a déjà tant attendu l'enfant. Maman, je vais lire certains commentaires aussi pourquoi les gens disent que ça peut être la belle famille qui laisse les commentaires comme cela. Avant ça, j'aimerais faire un peu comme un flashback pour vous dire, elle est sortie sur les médias. Il fut quelques années aujourd'hui en nous disant que voilà, il y a un temps, elle portait les perruques déjà pas trop chères. Donc, tout ce qu'elle portait, c'était un peu le genre, un peu moins cher. Ses collègues se moquaient d'elle. Oh, maman, fille du village, va un peu te laver. Il faut porter les chaussures de marque, les habits de marque et tout, elle a dit, quand elle comprenait ça, c'était comme si c'était la chanson dans ses oreilles. D'ailleurs, ma mère a eu aussi PB avec Zubi Michael. Nous avons fait la vidéo concernant son PB avec Zubi ici, là. Bon, elle a cotisé l'argent jusqu'à ce que le jour où elle nous a présenté la maison qu'elle a construite à sa maman, elle nous a expliqué tout ce qui se passait dans le Nollywood en disant que voilà la raison pour laquelle elle ne portait pas les chaussures de marque, elle ne portait pas les habits de marque, elle ne portait pas les sacs à main de marque, parce que elle savait d'où elle venait. Sa maman n'avait même pas où dormir. La maison était le genre de Destiny et Tico qui a aussi mis la maison de sa maman, quoi. Bon, ce qui se passe aujourd'hui sur les médias, vous saviez depuis qu'elle est mariée à ce milliardaire caché, comme on dit sur les médias, que depuis là, on regarde. Je vous ai toujours dit que les médias, je ne sais même pas. Il y a certaines personnes, ils sont sur les médias juste pour regarder le ventre maman. Ah, yeah, les médias, quand elle ne s'était pas encore mariée, va te marier, tu es sûr que ton âge n'est pas en train de passer là, va te marier maintenant, elle s'est mariée. Maman, tu vas donner l'enfant, naissance à l'enfant que quand? Tous les jours, tu es là, tu places ton ventre dehors, tu fais les vidéos TikTok, vous êtes là, patati patata, l'enfant est où, maman? Jusqu'à venir avec sur son commentaire, elle a mis une vidéo où, je pense bien, elle conseillait les gens comme cela. Et puis, elle disait à ses fans que l'année 2022 serait une année de bénédiction et tout, maman. Venez voir les commentaires. Maman, donne-nous un enfant. Depuis que tu t'es mariée, depuis 2 ans, ça va déjà à 3 ans aujourd'hui. Maman, va faire les enfants, maman. Va faire les enfants, on veut voir les enfants, maman. Tu es toujours là, je filmais les photos avec ton mari. On ne t'a pas dit qu'il y a l'âge pour accoucher, maman. On n'a pas dit quoi à cette fille appelée Chizi Alechi. On l'a lavé. Oh. Que tu es là tous les jours, tu portes les habits comme une fille célibataire. Hein? Si les filles célibataires portent les habits, mettent le ventre dehors, toi aussi tu viens porter. On entend l'enfant. Jusqu'à ce qu'elle a même eu le temps à répondre à un commentaire en disant que... Quand est-ce toi aussi tu dois avoir la sagesse? Parce que le commentaire disait, pourquoi tu ne nous donnes pas l'enfant? Tu dois accoucher quand?
Elle a répondu que quand est-ce toi-même tu dois avoir la sagesse de rester tranquille, maman. Elle ne pouvait même pas répondre à tous les commentaires. Il y a certaines personnes qui disaient que, oh, sûr que c'est la belle famille, ils utilisaient les faux profils pour venir commenter et tout, maman. Je ne sais pas moi si c'est la belle famille réellement, mais vous saviez, il y a des gens qui se marient. L'enfant, ce n'est pas le genre comme les nous, c'est que on ne les met pondeuses et tout. C'est pas tout le monde qui se marie et ils ont directement envie de faire les enfants. Non, 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 non. Et donc, ce n'est même pas quelque chose à dire, à revoir. Il y a certaines personnes, quand ils se marient, ils mettent au moins 5 ans. Donc, 5 ans là, c'est pour Java. Donc, c'est pour ils se passent pour se défouler, non, pour être, je ne sais même pas comment mettre. Il y a certaines personnes, quand ils se marient, ils mettent les années qu'ils vont rester ensemble, juste eux deux. Ils vont vivre la vie, ils seront heureux, sans enfant et tout. Et puis, ils ont dit, bon, après 5 ans, on peut commencer à avoir des enfants. Après 2, après 1 an, oui, c'est pas tout le monde qui se marie aujourd'hui. Là, 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 la personne tombe. Non, 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 c'est pas tout le monde. Et surtout ceux qui ont de l'argent. Là, vous voyez, même les milliardaires aujourd'hui, ils ont que 2 enfants, 3 enfants. C'est pas tout le monde, souvent, que le lit du pauvre est tellement fécond, oui. Parce que les gens, comme les nous, là, on ne les met pas pondeuses et maman. C'est pas tout le monde qui est comme cela. Il y a des gens, quand ils se marient, ils ont envie de rester que 2 là-dedans. Comme Chizzy et son mari, s'y fait là, ça fait il y a 2 ans et poussière, ils sont ensemble. Ils vivent leur vie. Il n'y a pas de cri des enfants. Il n'y a pas ceci. Oh, l'enfant est monté. Il faut changer les couches. Il faut amener l'enfant à l'hôpital. Il faut faire ceci. Oh, l'enfant est malade. Et cela, non, 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 non. Il y a des couples que ils ne veulent même pas entendre les pébélas dès le commencement de leur mariage. Donc, ils ont envie de Java d'abord. Et aussi, c'est un couple que, quand ils se marient, ils ont directement envie de faire les enfants vite, 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 vite. Et c'est pour ça, moi, c'est la meilleure façon là-bas. Tu te maries, tu fais vite tes enfants et puis, par la grâce de Dieu, tu peux vivre la vie que tu veux. Pas rester, alors tous les yeux sont sur toi, la belle famille aussi sont là, ils guettent ton ventre tous les jours. Oh, l'enfant vient quand? Oh, tous les jours tu mets le ventre dehors, tous les jours tu fais TikTok, tous les jours tu fais ces signes, quand tu dois accoucher, ceci, c'est là. Bon, vous voyez que la pression est un peu, c'est un peu élevé, quoi. Et moi, je vois que Cheese ici, c'est quelqu'un d'abord, du genre, que quand elle voit les commentaires, il est bien fondu, oh, tout le monde, tu peux voir un commentaire, tu supprimes, mais il vous assure, voir un commentaire comme cela tous les jours, toi-même, tu vas te poser la question que, mais, voilà, les gens me regardent déjà, il y a déjà les Miss Congo qui veulent déjà voir l'enfant, il y a déjà certaines personnes qui mettent déjà sur toi, le genre où tu portes même un habit, on est toujours là pour regarder. Oh, mais moi, je me dis que c'est la sort, comme on dit souvent, la avancée, parce que pour vous de rester sur les médias, regardez jusqu'à regarder le ventre de quelqu'un pour dire, oh, on est sûr qu'elle est enceinte, on est sûr que, bon, c'est l'enceinte, attendons aussi l'enfant, et puis on doit lui dire mes félicitations. Mais si l'enfant, il peut même être comme cela, que peut-être elle et son mari, ils ont un peu les pébés concernant l'enfant. Et c'est pas tout le monde qui va venir sur les médias en disant que, oh, depuis que je me suis mariée, l'enfant ne jump pas ceci, cela. Non, c'est pas tout le monde. Ça peut même être qu'elle a aussi les pires, les difficultés. Et vous venez vous mettre certains commentaires comme cela. C'est pour l'envoyer où maman, les stars, ils ont déjà tout vu sur nos mains. Hey! En tout cas, dites-moi qu'est-ce que vous en pensez. Pour ne pas faire cette vidéo très longue, je vous aime comme toujours. N'oubliez pas de suivre notre page Facebook au nom de Miss Congo Ça International. Je vous aime comme toujours. Et bisous à tous.